programme d'initiation au yoga où on fera une pratique chaque jour pendant 31 jours. Aujourd'hui, jour de repos, on fera une petite séance de méditation. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le mindfulness, qui est un type de méditation centré sur les pensées. Aujourd'hui, on va se centrer sur les sensations corporelles et on va rester plus dans notre corps que dans notre tête. Je vous suggère d'utiliser des headphones, des écouteurs, afin d'avoir une meilleure expérience et de faire votre séance dans un endroit calme où il n'y a pas trop de bruit et trop de distractions. Je vous conseille aussi de vous asseoir et de vous mettre très confortablement car on sera assis et on ne voudrait pas trop bouger. D'ailleurs, la particularité de cette séance, de cette méditation, qu'on va essayer de rester immobile sans bouger le plus lentement possible. On la gardera courte bien sûr la séance où on fera juste 10 minutes. Mais si vous êtes à l'aise et surtout si vous avez le temps, je vous suggère d'en faire un peu plus, au moins à vos devoirs. On commencera bien assis dans une posture confortable. Et posture confortable peut être comme ça pour vous, bien assis sur les talons, bien assis sur une chaise. Peu importe, il faut juste que vous soyez bien confortable avec un dos bien droit, les épaules dégagées en arrière, un cou dégagé. Vous pouvez respirer aisément. Et on viendra mettre les mains sur les genoux. On va fermer les yeux et diriger toute notre attention vers la respiration. Vous pouvez expirer une dernière fois de la bouche. On va fermer les lèvres et garder une respiration nasale. On inspire du nez. Et on expire. On trouvera cet équilibre entre éveil et relaxation. Et on instaurera un rythme respiratoire profond et long. Une fois que vous aurez trouvé votre rythme, dirigez votre attention aux sensations corporelles que vous avez, à la température de l'environnement, au picotement, chatouillement et tout ce qui peut surgir. Encore une fois, le but est de ne pas réagir. Mais là, juste pour observer ces sensations. On dirigera notre attention vers le bas de notre corps. Le contact avec le sol, on va détecter quelles sensations on a dans ces parties. Ça peut être les pieds, les jambes, le bassin. Le fait de visualiser ou essayer de voir dans sa tête ses parties peut augmenter la conscience corporelle. Là, on va monter notre attention vers le buste, le ventre. Et de sentir le contact avec les vêtements, les épaules,
les bras. Et s'il y a une sensation, un picotement, le nez qui chatouille, au lieu de réagir à cette sensation, se frotter, se toucher, se gratter, c'est juste de la suivre. Et comme le son de ma voix, vous allez voir que ça va paraître dans votre conscience. Et très lentement disparaître. Restez avec vos sensations et essayez de voir leur source, d'où est-ce qu'elles parviennent. Que va-t-il se passer si l'on ne réagit pas? Que vous trouvez que le dialogue interne s'intensifie, qu'il y a plein de pensées qui se passent, vous pouvez revenir vers la respiration. Quand elle est là, donnez-lui un rythme. Pour les deux dernières minutes, on va rester dans le silence. Et juste rester là. Dès qu'on remarque que notre esprit s'échappe, qu'on commence à penser au passé, au futur, reviens vers le corps, reviens vers les sensations, et on reste là. Restez là si vous avez encore le temps et l'envie. Si vous trouvez ça agréable. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question pourquoi. Quelle émotion évoque le fait de ne pas bouger, le fait d'être plus dans son corps et concentré sur ses sensations. Maintenant, si vous êtes prêt, commencez doucement par faire bouger les doigts et les orteils, peut-être ouvrir les yeux et revenir à l'espace où vous êtes. On a fini la deuxième pratique de ce programme. Je vous donne rendez-vous demain pour une 13e pratique et d'ici là, namasté.